La nouvelle saison de Koh-Lanta annulée, Eddie Glow a balancé sur le comportement de Candide Honnard sur le tournage. La jeune femme de 21 ans accuse l'homme d'avoir tenté de l'embrasser dans la nuit du 4e au 5e jour de l'aventure. De retour en France, elle a porté plainte contre lui et Eddie a été placée en garde à vue avant d'être relâchée. Une sombre histoire qui n'arrange pas les affaires de TF1, qui se retrouve avec 14 trous dans sa grille des programmes pour la rentrée. Mais selon Cyril Hanouna, la chaîne aurait déjà trouvé un programme pour remplacer Koh-Lanta. Don't touche pas à mon poste, émission dans laquelle un candidat a pris la défense d'Eddie Glow après l'annulation de la saison 19 de Koh-Lanta, l'animateur de C8 a annoncé que Big Boom's Battle, le grand rebond en français, allait reprendre les cases vides du vendredi soir. BCE Jeux, qui cartonne en Allemagne, mettra en avant des talents sur un trampoline B. Selon Raphaël Elbaïo dans le village des médias sur Europe 1, TF1 avait aussi songé à diffuser Ninja Warrior, la nouvelle saison de Danse avec les Stars, ou encore des fictions américaines. Finalement, c'est un tout nouveau concept qui verra le jour dans quelques mois.